Oui, Monsieur Jumel, est-ce que vous appelez clairement, nettement, ce soir, à voter en faveur de Madame Hurel pour le deuxième tour des élections législatives? La question ne se pose pas comme ça. D'abord, j'attends que Sandrine Hurel, par respect pour le maire et les Diepois, me contacte pour qu'on réfléchisse ensemble aux modalités de rassemblement du deuxième tour. Vous comprendrez par exemple que, après ce scrutin qui consolide Dieppe, le maire, le rassemblement de la gauche à Dieppe, j'attends de sa part un signe fort d'union de la gauche pour les municipales de 2014, parce que l'observateur que vous êtes aurait à examiner avec attention le résultat de Dieppe. Et si j'étais arrivé derrière, vous auriez extrapolé le résultat des élections municipales de 2014. Là, cette fois-ci, j'arrive en tête avec plus de 11%. J'arrive troisième dans la circonscription et vraisemblablement l'analyse des résultats de l'ancienne 11e, parce que vous le savez, le découpage a été réalisé par la droite, pour la droite, est-ce qu'il est. Et donc, j'attends d'avoir Sandrine Hurel au téléphone pour voir de quelle manière elle intègre la parole des Diepois, de Dieppe, de notre territoire, dans son projet pour mesurer si elle est en mesure ou non, ou si elle a la volonté ou non de créer une dynamique de rassemblement.